Mais il y a déjà des gens. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'essaie de bien régler l'écran. Bonjour Christelle. Ça devrait être pas mal comme ça. Ouais, je peux même le monter le chouïa. Là. Ouais, le tapis est là, ça devrait le faire. Oui. On est pas mal. Au pire, je m'avancerai un petit peu. Est-ce que tout le monde va bien? Bon, il est moins 3, on a encore quelques petites minutes pour voir si tout le monde va venir. Nous sommes 6. Il y a eu une erreur. Bonjour Arnaud. Donc nous sommes sur le cours de Pilates. Hein. Vous avez vu le changement de programme qu'il y avait eu. Donc on est sur un cours de Pilates. On va essayer de le faire accessible mais intense. Pas intense. On va faire du renforcement musculaire profond, quoi. Oh, nous sommes 9. C'est bien ça. Vous avez avec vous votre tapis. Ah non, il y a eu des erreurs à chaque fois. C'est les personnes et puis ça s'enlève, ça revient. Vous avez avec vous votre tapis, une petite bouteille d'eau éventuellement. Je ne vous dirai pas qu'en boire hein, comme d'habitude sur le Pilates. Vous buvez quand vous voulez. Les postures. Je vous les donne, vous les tenez, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous relâchez, vous essayez de la reprendre. Et voilà. Ah, 4 personnes. Ça diminue, ça diminue. On est passé de 9 à 4. Mettez-vous aussi un petit fond musical. Hop, toi, tu vas venir te reposer ailleurs. Quoique, je vais mettre un petit quelque chose. Attendez, bougez pas. Je vais mettre un petit truc de Pilates en fond sonore. Toc. Toc. Voilà, celle-là, elle est tranquille. Bonjour Sabine. Hop, ignorer. Ok. Je mets un petit fond sonore histoire de dire quelle heure il est. Allez, j'attends une minute. Et à 10 h, on y va. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien.
que vous vous languissez pas trop de... Enfin, si, même que vous vous languissez de revenir aux Liberties. Nous, on se languit de vous revoir. On a envie que ça réouvre. 20 janvier. On va y arriver. Allez, salut, Lutz. Alors, quelle heure se fait-il? 10 h. Allez, on va s'y mettre. Hop, une petite musique ici. J'attends. Ah, il y a des gens qui se sont connectés. Je vois pas qui vient et qui vient pas. Enfin, surtout qui vient. Il y a des espions ou des espionnes. Allez, 10 h 01, on est parti. Allez, on y va comme d'habitude. Notre petit rituel de mise en condition. Vous allez vous mettre debout. Pieds largeur de hanche. Vous allez ancrer vos pieds dans le sol pour vous connecter d'une part avec l'énergie du sol et puis vous mettre dans les dispositions du Pilate qui est axé sur l'ancrage, l'alignement, la respiration, l'engagement du centre, du transverse. Faites en sorte de bien ressentir que vos pieds sont donc ancrés dans le sol. Et pour cela, vous allez commencer à venir mettre l'intégralité de votre poids sur vos orteils. Serrez un peu les fessiers. Commencez à engager au niveau de votre grand droit et de votre centre. Relâchez vos mains et venez mettre l'intégralité de votre poids sur vos talons, sans décoller vos pointes de pied. Revenez au centre et mettez l'intégralité de votre poids sur votre jambe gauche, sans décoller votre jambe droite. Et venez au centre et remettre l'intégralité de votre poids sur votre jambe gauche. Revenez au centre. Maintenant, vous devez sentir si vous êtes bien ancré sur vos deux pieds et que votre poids est uniformément posé sur vos deux pieds. Pas trop devant, pas trop derrière, pas trop sur les côtés. On va remonter et ressentir l'engagement de notre centre. Pour ça, vous allez aspirer le nombril comme si vous aviez un pantalon trop petit et respirez uniquement avec votre cage thoracique. Donc, inspirez par le nez et expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur les fenêtres. Mettez vos mains au niveau des côtes, venez juste faire toucher vos majeurs. Inspirez profondément, vos majeurs se détachent et expirez, vos majeurs viennent se retoucher. Inspirez par le nez, sentez le travail des côtes s'ouvrir et se fermer. Encore une fois, inspire. Expire et relâche. Descendez vos mains au niveau de l'abdomen pour que sur l'expiration, vous sentiez cet engagement au niveau de votre grand droit et de votre transverse. Inspirez de nouveau et expirez, aspirez le nombril vers votre colonne et engagez, serrez au niveau des abdominaux. Le fait de serrer les abdos vient venir vous gainer au niveau de votre bassin. Une dernière fois, relâchez les mains et venez enrouler vos épaules.
d'avant en arrière et d'arrière en avant. Mettez les mains au niveau de vos cuisses et venez enrouler le haut de votre corps. Faites glisser les mains le long de vos cuisses, le long de vos deux tibias et relâchez. Attrapez vos coudes et relâchez bien tout le haut du corps. Sentez peut-être un petit étirement sur l'arrière des jambes, au niveau des fessiers, bas du dos. Fléchissez les coudes, les genoux, pardon, posez les mains sur les genoux et remontez vertèbre après vertèbre. Les vertèbres cervicales en dernière, enroulez vos épaules et sur l'expiration, montez les bras vers le plafond. Allez chercher une belle hauteur, grandissez-vous, relâchez vos épaules et vos mains, c'est comme si vous aviez un petit ballon entre les mains. Ok, ouvrez les bras très tranquillement. Mettez les paumes de main face à votre écran et allez chercher de chaque côté de l'ordinateur, de chaque côté de vos mains, comme si vous vouliez toucher les murs qui étaient vraiment à droite et à gauche. Sentez l'engagement de votre biceps, serrez un petit peu les omoplates, fixez votre dos et basculez sur votre côté gauche. On décale et alignez votre jambe droite avec votre corps et votre tête. Maintenez les bras dans l'alignement. Hop. Ne vous cassez pas la figure. Inspirez. Et sur l'expiration, votre jambe droite vient croiser derrière votre jambe gauche. Et venez ramener les bras devant, comme si vous preniez un petit ballon, toujours. Si vous avez du mal, posez votre pied. Descendez un tout petit peu plus bas. Sinon, ne posez pas le pied. Vous avez juste la pointe de pied qui légèrement repose sur le sol. On inspire, sur l'expiration, on repousse, on ouvre les bras et on vient de nouveau se mettre en étoile. Sentez le travail au niveau de votre cheville. Inspirez, sur l'expiration, renvoyez votre jambe derrière. Wow, croisez. Éventuellement, posez le pied, ramenez les bras devant. Allez chercher. Sentez vraiment l'ancrage de votre jambe gauche, le travail au niveau de la cuisse, de la fesse. Inspire et expire, tu réouvres. Allez, dernière fois, on inspire et sur l'expiration, on revient croiser la jambe et bien descendre sur notre jambe gauche. Inspirez, sur l'expiration, repoussez, remontez votre genou droit, attrapez-le et enserrez-le. Inspire et sur l'expiration, tu renvoies la jambe derrière, tu montes les bras vers le plafond, tu poses la pointe de pied et tu descends en fente. Tu ramènes vraiment le genou droit au ras du sol, une feuille de papier entre ton genou droit et le sol. On inspire sur l'expiration, on repousse, on ouvre les bras et on ramène le genou au niveau de la poitrine, on l'enserre. On inspire sur l'expiration, tu renvoies ta jambe droite vers l'arrière, tu commences à monter les bras, tu poses ta jambe droite, tu crochets tes doigts de pied dans le sol et tu descends. Pareil. Une feuille de papier. Inspire sur l'expiration. On repousse, on ouvre les bras, on remonte le genou. Une dernière fois, on inspire sur l'expiration. Renvoie la jambe droite vers l'arrière, pose, monte les bras et descend. Une feuille de papier toujours. Allez, reste en bas. Ouvre les bras, pose le genou au sol, avance un tout petit peu la jambe gauche et viens poser les deux mains au sol. Laissez l'ordinateur. On a les deux mains au sol. Je vais mettre un peu de diagonale, voilà. Ok, tends ta jambe droite vers l'arrière.
Pousse sur la jambe droite, engage l'avant de ta cuisse. Ramène la main droite vers le pied et ouvre la poitrine vers la gauche. Toujours en tendant la jambe. Ok, on relâche, on revient. On ouvre sa main droite vers la droite. On dégage sa main gauche pour pousser et venir tendre sa jambe droite devant. Inspirez, sur l'expiration, vous renvoyez votre jambe et vous ouvrez de nouveau la poitrine vers la gauche. Gardez votre main droite là où elle était. Ramenez votre main gauche. Mettez tout le poids sur votre main droite. Passez votre jambe droite sous vous pour envoyer la jambe. Envoyez votre jambe derrière et ouvrez une deuxième, troisième fois la poitrine sur votre gauche. Vous avez un gros travail d'épaule. Inspirez sur l'expiration. On ramène sa main gauche, on passe sa jambe droite sous nous et on tend la jambe. Inspire sur l'expiration. Hop, tu repasses la main, tu reposes les deux mains au sol et tu renvoies les deux jambes vers l'arrière. Tu es en gainage. Gainage planche. Serrez les fessiers, envoyez les talons vers l'arrière. Inspirez le nombril. On va inspirer sur l'expiration, venir faire un chien tête en bas. Bien pousser sur les mains, essayer d'avoir un dos plat. Fléchissez vos jambes le plus on inspire et sur l'expiration, on repousse sur les jambes, on arrondit son dos et on vient se mettre en gainage planche. Inspirez, expirez, venez chien tête en bas, fléchissez les jambes, venez mettre les genoux presque au ras du sol. Inspirez sur l'expiration, repoussez, arrondissez le dos et venez, dernière gainage planche. Pas dernier, non, il y en a encore un. Inspire, le chien tête en bas avec les genoux au ras du sol, vous avez un travail au niveau des cuisses là. Inspire, expire, repousse, on est en planche. Et venez marcher tranquillement vers vos mains, fléchissez vos genoux, poussez sur vos genoux pour remonter vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Je remonte l'ordinateur. Allez, enroulez. Mettez les mains au niveau des cuisses et enroulez le menton vers la poitrine. Glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules, mettez tout le poids sur votre jambe droite, vous l'ancrez dans le sol, vous commencez à décoller votre jambe gauche et vous ouvrez les bras. Et alignez votre corps avec votre buste, excusez-moi, je reviens tout de suite. Restez dans cette posture-là. Voilà. Ok, on inspire sur l'expiration. On croise notre jambe vers l'arrière et on vient ramener les bras devant. Alors moi, mon pied ne touche pas, mais si vraiment c'est trop difficile, vous faites toucher votre pied, mais pour descendre au plus bas et travailler vraiment votre cuisse droite. Inspirez sur l'expiration, vous repoussez et vous ouvrez. Vous devez engager l'avant aussi de votre cuisse gauche. Okay? Pointez le pied et alignez vraiment votre corps avec... Wow! Alors, alignez votre corps avec votre jambe, ok?
ne devrait pas être, j'essaye, voilà, un truc du genre comme ça. D'accord? On essaie de tout aligner. Inspirez sur l'expiration, vous renvoyez votre jambe gauche derrière, vous la croisez avec votre jambe droite, vous descendez. On inspire sur l'expiration, vous repoussez. Donc là, on a un gros travail au niveau de la cuisse, de la fesse. On inspire sur l'expiration, on renvoie vers l'arrière. Si vraiment vous fatiguez, vous venez poser le pied arrière. Sinon, hop, ça ne pose pas. Inspire et expire, tu remontes le genou, tu l'enserres. On relâche un peu la zone des lombaires. Mais on travaille toujours au niveau de notre cheville et de notre mollet droit. Tu inspires sur l'expiration. Tu relâches le genou. Tu envoies ta jambe vers l'arrière. Je me repositionne un peu. On monte les bras au-dessus de la tête. On serre les omoplates. On relâche les épaules. Un ballon entre nos mains. Et on vient mettre le genou vraiment au ras du sol. Allez, on inspire sur l'expiration. Vous ouvrez les bras. Vous repoussez sur les jambes. Et vous ramenez votre genou gauche au niveau de votre poitrine. Vous l'enserrez. Tenez la posture, sentez le travail au niveau de la cheville. Inspirez, expirez, renvoyez votre jambe gauche vers l'arrière. Posez, levez les bras, serrez vos omoplates, relâchez vos épaules et descendez. Une feuille de papier entre le plancher et votre genou. Sentez le travail de l'avant de la cuisse gauche, avant cuisse droite, fessier droite, inspirez. Expirez, repoussez, ouvrez les bras, ramenez une dernière fois le genou vers la poitrine. Allez, inspirez, et expirez, vous renvoyez votre jambe vers l'arrière, posez votre pied, ouvrez les bras, et descendez. Toujours cette petite feuille de papier, et reposez le genou au sol, ouvrez les bras, avancez un tout petit peu votre jambe droite. Faut que je règle l'ordinateur à chaque fois. Ça vous permet de faire une pause et de boire un coup. Venez poser les deux mains au sol. Vous mettez pareil de profil comme tout à l'heure. Ouvrez un tout petit peu votre pied droit. Mettez tout le poids sur votre main gauche. Tendez votre jambe gauche. Engagez l'avant de votre cuisse gauche. Et ouvrez la poitrine sur votre droite. Regardez votre main. Ancrez bien votre main gauche dans le sol. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez votre main droite. Décollez vraiment votre jambe gauche. Passez votre genou sous vous pour venir hop, tendre votre jambe gauche devant vous. Pointe de pied flex. On inspire. Sur l'expiration, on force vraiment sur son épaule gauche pour tendre notre jambe gauche vers l'arrière et ouvrir notre poitrine vers notre droite. Regardez votre main droite. Sentez le travail de l'épaule gauche et de votre quadriceps gauche, l'avant de votre cuisse gauche. Inspirez et expirez. Ramenez votre bras. Envoyez votre jambe. Tendez votre jambe gauche devant vous. On inspire sur l'expiration. Hop. On renvoie. Relâchez, posez vos deux mains côte à côte et envoyez votre jambe droite vers l'arrière. Vous êtes de nouveau en planche. Vous allez ramener votre genou gauche sous votre hanche avec votre pied gauche crocheté dans le sol. Et vous faites exactement la même chose avec votre genou droit. Vos deux genoux sont vraiment au ras du sol, hein. Toujours une feuille de papier, vous devez sentir vraiment l'engagement au niveau de vos deux quadrilles et de vos épaules. Allez, envoie la jambe droite vers l'arrière, la jambe gauche, et décolle ta jambe, hop, comme ça, décolle la jambe droite, sens le travail du grand fessier, et repose la jambe droite. Ramène les deux genoux sous les hanches. N'oubliez
respirez, tendez. On fait un travail au niveau vraiment de l'épaule et de gainage là. Et pointez votre jambe gauche maintenant. Sentez l'engagement de votre cuisse gauche, fessier gauche. Reposez. Poussez chien tête en bas. Et marchez tranquillement vers vos mains. Pour fléchir les genoux, posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Enroulez tranquillement, je remonte l'ordinateur. J'ai toujours ce petit réglage à faire. Ok, envoyez les bras vers le plafond et descendez sur votre petite chaise. Serrez bien les omoplates et envoyez les deux bras vers l'arrière. Hop, paume de main vers le plafond, engagez votre triceps, l'arrière de votre bras. Essayez d'aligner bras, tronc, tête. Inspirez et expirez, repoussez, ouvrez les bras. Et poussez sur les paumes de pied, pardon, je vais préciser ça. On inspire sur l'expiration, on repart sur notre petite chaise et tout de suite vous envoyez les bras vers l'arrière. Veillez à ce que vos genoux soient parallèles, vos fesses assez basses, vos quadriceps engagés, votre tête dans l'axe de votre colonne, l'arrière de votre bras travaille. Inspirez et expirez, repoussez, poussez sur les pointes de pied, ouvrez les bras. Paume de main vers l'écran. Allez chercher de chaque côté du mur, des murs, pardon. N'ayez pas les bras relâchés. Travaillez au niveau de vos chevilles. Sentez que vous êtes vraiment posé sur vos doigts de pied. Une dernière fois, inspirez et expirez. Vous voyez vers l'arrière. Serrez vos omoplates. Mettez votre tête dans l'axe de votre corps. Engagez l'arrière de vos bras. Paume de main vers le haut, ça fait beaucoup de choses. Hein. Faites-les dans l'ordre. On inspire sur l'expiration, on repousse. Et on lève les bras vers le plafond. Inspirez, posez les talons au sol. Et envoyez les fessiers vers l'arrière. Notre petite chaise toujours. Et cette fois-ci, on va pousser sur les jambes uniquement, garder la position de l'équerre, serrez vos omoplates, relâchez les bras, relâchez la tête. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, vertèbre cervicale en dernière. Remontez les bras vers le plafond, descendez sur votre petite chaise. Serrez vos omoplates. Inspire, pousse sur les jambes. De nouveau, une équerre. Et relâchez les bras, relâchez le haut du corps. Fléchissez les genoux. On fait une troisième fois. Posez les mains sur les cuisses. Remontez vertèbre après vertèbre. Envoyez les bras vers le plafond. Descendez sur votre petite chaise. On est sur un travail au niveau des cuisses. Poussez sur les jambes. Allez chercher très loin devant avec vos bras. Mettez votre tête dans l'axe. Relâchez les bras, relâchez le haut du corps, attrapez vos coudes. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Je descends un petit peu l'ordinateur puisqu'on va passer par le sol. Donc si vous ne voyez pas en haut, c'est pas bien grave. Mettez les mains au niveau des cuisses, enroulez le manteau vers la poitrine, glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias, fléchissez les genoux, posez une main, deux mains au sol, tournez vos coudes vers l'ordinateur, inspirez, sur l'expiration, fléchissez les coudes, inspirez, et expirez, repoussez, chien tête en bas, marchez vers vos pieds, remontez vertèbre après vertèbre, vertèbre cervicale en dernière, et on repart. J'enroule le menton vers la poitrine, je glisse mes mains le long des cuisses, le long des tibias, je fléchis les genoux, je pose une main, deux mains, je suis en planche. Si tout à l'heure c'était trop difficile,
Posez les genoux au sol. Mettez vos coudes vers votre écran. Inspirez et expirez. Fléchissez les coudes. On inspire et sur l'expiration, je repousse. Tiens, tête en bas. Avec les genoux fléchis, hein, si vous voulez, ou jambes tendues. Marchez vers vos pieds. En déroulez-vous comme une petite fleur, vertèbre cervicale en dernier. On le fait une dernière fois. On inspire sur l'expiration. J'enroule le menton vers la poitrine. On glisse les mains le long des cuisses, le long des tibias. On pose une main de main. On inspire et sur l'expiration. Je viens mettre mes coudes vraiment le long de mes côtes. Hein. Inspirez et expirez. Repoussez. Vous allez poser votre coude droit au sol, twister votre poitrine sur votre droite et venir en gainage latéral. Posez votre genou droit au sol et levez votre genou gauche au sol, pardon, et levez votre jambe droite. Ramenez votre main au-dessus de votre tête. Inspirez, sur l'expiration, ramenez le coude vers le genou. J'inspire, j'expire, je repousse. Je monte le bras vers le plafond, je repose mon fessier. J'en profite pour hop, poser ma main. Donc ma main gauche. On inspire et sur l'expiration, on refait exactement le travail, mais bras tendus. Montez le bras au-dessus de la tête, donc bras droit au-dessus de la tête, inspirez sur l'expiration, je ramène coude genou, j'inspire, j'expire et je suis au-dessus. Remontez le bras vers le plafond, posez votre petit moyen fessier au sol, inspirez et expirez, de nouveau repoussez. Donc vous avez vraiment votre jambe droite qui est tendue là, hein. Pointez le pied, engagez l'avant de votre cuisse, mettez le bras au-dessus de la tête, dans l'alignement de votre corps, inspire et expire, ramène le genou vers le coude, on retend, on ouvre le bras vers le plafond, on repose nos fessiers et on tend les jambes devant. Donc là, vous êtes au sol, remontez un tout petit peu les fessiers, vous êtes sur les ischions, je vais descendre encore l'ordinateur, et redressez-vous, serrez un peu les omoplates. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire par le sommet du crâne. Mettez vos mains vraiment vers l'arrière, avec les doigts vers vos fessiers. Inspirez et sur l'expiration, poussez. Engagez l'avant de vos cuisses, essayez d'aligner vos jambes et votre buste et votre tête. Okay. Allez, on vient travailler au niveau de l'épaule, du triceps. On est en planche inversée. Inspire, expire, repose les fessiers. Pousse sur les mains pour te redresser. Lève les bras au-dessus de la tête, paume de main face à face. Un petit postural. Serrez bien vos omoplates. Regardez droit devant vous. Ouvrez les bras. Toujours omoplates serrées. Inspirez sur l'expiration. Twistez sur votre gauche. Gardez les bras bien alignés. Imaginez que vous tournez autour d'une barre. Inspirez et expirez. Revenez au centre. Inspire et expire. Twist sur ta droite. On inspire sur l'expiration. On revient au centre. Relâchez un peu au niveau de votre dos. Envoyez vos bras vers l'arrière. Enroulez un tout petit peu le dos. Inspirez et sur l'expiration, repoussez. Allez, serrez les fessiers. Poussez sur vos mains, sentez l'engagement du triceps, mettez votre tête dans l'axe, poussez sur vos talons aussi de manière à engager l'avant de votre cuisse. Inspirez sur l'expiration, reposez les fessiers au sol, poussez sur les mains pour vous redresser, levez les bras, paume de main face à face, paume de main face à face, paume de main face à l'ordinateur. Inspirez sur l'expiration, twistez sur votre droite, gauche, 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 la gauche, Guillaume. Inspirez, expirez, revenez au centre. Inspire, expire, twist.
Inspirez, expirez, revenez au centre. On revient, hop, avec nos deux mains. On le fait une dernière fois. On inspire, on expire, on pousse. Allez, alignez bien tête, cou, tronc, jambes. Serrez les fessiers. Sentez le travail de votre triceps, de votre épaule. Inspirez, expirez, repoussez, repoussez. Repoussez les fesses au sol. Redressez-vous. Et envoyez, hop, et basculez juste tout simplement votre fessier droit sur le sol. Envoyez vos deux jambes, hop, et on est en gainage latéral, donc avec votre pied gauche qui est devant. Okay. On est aligné. Allez, faites ce petit effort-là. Vous avez vu qu'après, de toute façon, on pose notre genou au sol. Relâchez, posez le genou droit au sol. Tendez votre main droite et poussez. Hop, un petit mot ballon qui me gêne. Poussez. Remontez le bras. Inspirez sur l'expiration. Ramenez genou, coude. J'inspire, j'expire et je retends. Je lève mon bras vers le plafond. Tout doucement, je viens poser ma jambe au sol, mon fessier aussi. J'inspire, j'expire et je repousse. Comme ça, on a un travail du petit moyen fessier du bas et petit moyen fessier du haut. Montez le bras au-dessus de la tête. Inspire sur l'expiration, genou coude. J'inspire, j'expire et je repousse. Je monte le bras vers le plafond dans l'alignement de mon autre bras droit, je repose mon fessier. Une dernière fois, j'inspire. J'ai expiré, je repousse. Lève le bras au-dessus de la tête. Inspire, expire, ramène. Coup de genou. Inspirez, expirez, repoussez. Ouvre ton bras, repose petit moyen fessier. Et remets de nouveau, hop, tes jambes vers l'avant. On va travailler un petit peu notre sangle abdominal maintenant. Ok, on se redresse, on ramène les bras devant, et bien enroulez le menton vers la poitrine, tout doucement. Tu fais glisser tes vertèbres une à une sur le sol, on va travailler aussi notre triceps. Montez les bras au-dessus de la tête, faites un grand arc de cercle avec vos bras, poussez sur vos paumes de main, levez les bras au-dessus de la tête. Et on recommence ça trois fois. Ramène les bras devant toi, comme si toujours tu avais un petit ballon dans les mains. Aspire le nombril, enroule ton dos, viens poser vertèbre après vertèbre, une à une. Monte les bras au-dessus de la tête. Enroule les bras, viens poser tes paumes de main, pousse sur les paumes de main. Remonte les bras, serre les omoplates, relâche tes épaules. On passe toujours par un petit postural pour travailler le dos comme ça. Ramène les mains devant, enroule ton dos, aspire le nombril, pose vertèbre après vertèbre, monte les bras au-dessus de la tête, ouvre les bras, pose tes paumes de main au sol, pousse sur les paumes de main, cette fois-ci ramène juste les bras devant comme si tu avais un petit ballon, ramène les talons vers les fesses, décolle les pieds, étends les jambes. Allez, vous devez avoir l'avant des cuisses engagé. Inspire sur l'expiration. Tu ramènes un peu plus les genoux. Tu mets les paumes de main face au sol. Tends les bras sans l'engagement au niveau de ton biceps. Et 5 petits battements sur l'inspiration. 5 petits battements sur l'expiration. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, j'expire encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire. Ok, reste comme ça. Retends les jambes et remets les bras. Encore une fois. Ramène les genoux vers la poitrine. Ouvre les jambes. Mets les mains. Inspire. 5 petits mouvements sur l'inspiration. 5 petits mouvements sur l'expiration. Vous devez sentir aussi le travail de l'épaule, hein. J'inspire, 1, 2, 3, 4, 5, j'expire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire,
1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, retends les dernières fois, jambes, bras. Ok, reviens, attrape les genoux. Hop. Et là, on va faire le rolling like a ball, histoire de se détendre un petit peu, de s'amuser. Vous allez inspirer sur l'expiration, vous enroulez le dos, hop, vous roulez et vous revenez vous poser sur les ischios. On fait ça trois fois pareil. Inspire, expire, on roule. Attention, la perte d'équilibre quand vous revenez. Inspirez et expirez. Hop, on enroule. Ok, posez les talons au sol. Tendez les jambes, redressez-vous. Les bras devant. Et venez enrouler votre dos. Venez poser dans le même temps. Vous montez les jambes et vous mettez les mains au niveau de vos genoux. Vous mettez les jambes vraiment dans l'axe de votre hanche. Tout doit être perpendiculaire. Vous inspirez sur l'expiration. Vous poussez fortement dans les genoux en inspirant le nombril, en plaquant bien votre colonne au sol et vous relâchez. Quand vous avez fini d'expirer, faites ça à votre rythme. J'inspire, j'expire, je repousse fortement dans mes genoux. J'engage vraiment bien au niveau de mon grand droit. Je relâche. J'inspire. J'expire, je contracte vraiment bien ma sangle abdominale. Je relâche. Vous pouvez faire ça avec la tête baissée. Hein. Moi, je le fais tête levée, mais vous pouvez faire tête baissée. Hein. Inspire et expire, tu repousses. Allez, vous sors, relâchez. Inspirez et expirez. Videz l'air qu'il y a dans vos poumons complètement. Relâchez une dernière fois. J'inspire. Et je relâche. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. On les enserre. Quelques petits tours de droite à gauche. Et quelques petits tours de gauche à droite. Ok, gardez votre genou droit dans la main, tendez votre jambe gauche. Là, je suis dans le même sens que vous, c'est pas grave. Ok, tendez la jambe gauche vers le plafond, décollez tête omoplate et venez vraiment vous accrocher à votre jambe. Et relâchez. Dans le même temps, votre jambe gauche descend au ras du sol et vous décollez tête omoplate. On inspire sur l'expiration, vous changez de jambe, vous tendez votre jambe droite. Engagez l'avant de votre cuisse droite, levez votre jambe droite, pointe de pied tendue. Venez attraper l'arrière de votre genou, votre cheville, faites un petit stretch et faites comme si vous grimpiez vraiment sur votre jambe. Vous voulez prendre votre pied. C'était facile celle-là. Ok, vous relâchez, vous descendez votre jambe droite au ras du sol. Vous avez toujours votre genou gauche. Et là, on va faire ça 6 fois, changement de jambe. J'inspire, j'expire, je change. Une fois. Inspirez, expirez. J'inspire, j'expire, je change. Ça fait 3. Inspirez, expirez. 4. Inspirez. On expire, on change. 5. J'inspire, j'expire. Ok, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Posez votre tête au sol. Enserrez. Enroulez de gauche à droite et de droite à gauche. Posez les deux talons au sol. Levez les bras vers le plafond. Inspirez sur l'expiration. Vous enroulez votre. Vous inspirez le nombril. Vous venez pousser sur les talons, levez les bras au-dessus de la tête. Vous maintenez cette posture-là, vous avez vraiment les fessiers serrés là, ok? On est en haut, bassin vers le haut, fessiers serrés, main au-dessus de la tête. Inspirez sur l'expiration, on repose très gentiment, on ramène les bras au-dessus de la tête. On serre un tout petit peu les pieds, on met tout le poids dans sa jambe droite, on lève sa jambe gauche, on affine. Sur l'expiration, on pousse et on ramène la jambe, je sais plus ce que j'ai dit, gauche au ras du sol, les bras au-dessus de la tête. On a tout le poids sur notre jambe droite. On inspire sur l'expiration, ramenez
Votre talon gauche au niveau de votre talon droit et reposez. Remontez les bras vers le plafond. Mettez tout le poids sur votre jambe gauche, inspirez et expirez. Tendez votre jambe droite vers le plafond, mettez les bras au-dessus de la tête et descendez votre jambe droite au ras du sol. Sentez tout le travail du grand fessier. Vous êtes au milieu des omoplates. Ramenez votre jambe droite au niveau de votre jambe gauche et poussez un peu plus fort sur les talons. Serrez de nouveau les fessiers. Ok, enroulez votre dos. Remontez les bras au-dessus de la tête, tendez jambes droites, tendez jambes gauches et continuez le mouvement en enroulant le menton vers la poitrine pour venir vous redresser, ouvrir les bras, enrouler, poser les mains au sol, envoyez vos deux jambes vers l'arrière, venir sur les genoux. Je vais remonter un peu. On fait un dernier travail de cuisse et de sangle abdominale. Vous vous redressez bien, vous serrez un peu les fessiers, vous engagez votre centre, vous ouvrez les bras. Inspirez sur l'expiration, twistez sur votre droite, gauche, là je reviens en miroir face à vous, inspire, expire, reviens devant, ramène les bras devant, serre les fessiers, engage et descend. La santé, vraiment l'engagement des cuisses. Inspire et expire, reviens au centre. Ouvre les bras. Inspire et expire, twist. Sur ta droite cette fois-ci, garde bien les hanches face à l'écran. Hein. On inspire sur l'expiration, on revient au centre. On ramène les bras devant. Inspire et expire, descend. Sens le travail au niveau de tes cuisses. Garde la tête dans l'alignement de ta colonne, inspire et expire, ouvre les bras, paume de main vers l'écran, les deux mains veulent toucher les murs qui sont de chaque côté, engagez votre biceps, votre triceps et twistez sur votre gauche, on inspire sur l'expiration, on revient au centre, on ramène les bras devant et on descend, inspirez et expirez, revenez au centre, ouvrez. On a un dernier twist à faire, vous devez sentir le travail de l'épaule. Twistez. Inspirez et expirez, revenez. Une dernière fois, les mains devant. Je descends, je serre mes fessiers. Inspire et expire, reviens au centre. Ouvre les bras, relâche tes bras, enroule les épaules. Pose les mains au sol. Vous êtes à quatre pattes, crochetez vos doigts de pied dans le sol, poussez sur les mains, venez en chien tête en bas, ouvrez un peu les bras pour faire en sorte de venir marcher vers vos mains, fléchissez les jambes, posez les mains sur les cuisses et poussez sur vos cuisses pour vous relever vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules. Tranquillement, d'avant en arrière. Croisez les mains vers le plafond. Envoyez les mains vers le plafond et allez chercher un tout petit peu vers l'arrière pour étirer votre sangle abdominale. Revenez au centre. Ouvrez les bras tranquillement. Enroulez encore une fois. Inspirez et expirez. Croisez les mains, envoyez vers le plafond. Inspirez, bloquez et relâchez. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules et le cours de Pilates est terminé. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Catherine, est-ce que c'est possible de faire la semaine pro ton cours de gym? Je ne sais pas, je vais voir ça.
Je vais vous souhaiter une très bonne fin de matinée, une très bonne après-midi. Passez un très bon week-end. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine ou en replay. Voilà, très bonne journée à vous et bon week-end. Salut, bye.